Willkommen bei Motorwoche. Heute testen wir auf Mallorca den neuen Golf Update 2017 GTE. Pour tous les vrais Ciborgia de la confrérie qui ne veulent pas rater toutes mes dernières périples, je vous inviterai tous et toutes à ne pas oublier d'activer toutes les notifications relatives à toutes les activités de mes vidéos. Merci beaucoup pour toute votre compréhension. Hasta luego à tous. Wurde seit August 2014 der Golf 7 als sportliche Plug-in-Hybrid-Variante namens GTE angeboten. Mit dem Update 2017 wurde natürlich auch der GTE optisch und technisch angepasst. Die Front gibt sich sportlich und wirkt durch die größeren Lufteinlässe und das C-förmige Tagfahrlicht deutlich breiter als vorher. Neu sind die neuen LED-Scheinwerfer und die LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinker- und Bremsfunktion. Voici une arme de conquête. Avec le nouveau CHR, Toyota a mis le paquet pour se démarquer sur l'un des segments les plus prisés du moment, celui des SUV compacts. Alors le CHR, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, un SUV compact de plus sur le marché. Alors effectivement, s'il a les dimensions du Qashqai, le japonais en offre bien plus, c'est-à-dire un design très marqué, des technologies très poussées et surtout une motorisation hybride. Alors certes, vous allez me dire, le Kia Niro le propose déjà, mais ici, Toyota pense qu'avec tous ces facteurs, il va réussir à séduire une clientèle qui vient de tous les horizons et notamment de l'univers premium. Et c'est tout simplement essentiel pour Toyota car il s'agit du modèle le plus vendu en France mais également en Europe. La troisième génération de la citadine japonaise la plus française, car toujours fabriquée à Valenciennes, je vous le rappelle, connaît son second restyling. Alors quelles sont les améliorations, les gains par rapport à la précédente génération? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, ce restyling relativement important puisqu'il porte sur les parties avant et arrière de la Yaris, sont nouveaux les projecteurs, les feux, les boucliers avant et arrière, la calandre. Donc là on va présenter ça sous une musique de fond de Zao. Je pense pas qu'on aura besoin de l'ajouter au montage. Je pense que cette musique elle est un droit d'auteur. Hey, mais y a tu seras obligé de la faire avec. Hein. Ouais, pas grave. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Rover de Golf de GTE, c'est la nouvelle génération. Et à ce côté de lui, il y a son ami Eddie. Je vais vous montrer le prix, mais je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Attends. La technologie hybride rechargeable. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si ses parents regardent cette vidéo, il sera foutu. Je
Les amis, on ne sait pas pour, c'est pas si vous voyez bien. En mode espion de la CIA pour présenter juste des voitures par imprévu. Ah, mais il y a meilleur là-bas. Mais allons voir alors. Il y a des petits véhicules en Q2, Quattro. Oh, en plus, ma famille en avait une. Une Toyota Yaris. Ah, Black, il y a aussi une autre Toyota juste devant. Une CHR. À quoi ressemble cette nouvelle version? Regardez, je suis très grand. Je suis très très grand là. Je suis plus grand que ce véhicule. C'est vraiment bizarre. On marche un petit peu pour regarder la face avant. Puisque quand même ce serait peut-être mieux. Regardez, il y a une boîte. Bon, regardez la face avant. Pas de plaque d'immatriculation. C'est normal, elle a été... bon, je crois pas que ça c'est une version de ça. J'espère que non, normalement ce véhicule, ces véhicules-là, comme ils n'ont pas été encore vendus, on a le droit de faire des petites vidéos dessus. Ouais, donc ça va. Ouais. Bon, bah allons voir de plus près la CHR. Ouais, HR. Elle est camouflée. Ah oui. Effectivement, ils ont bien une plaque d'immatriculation. Ils ont bien camouflé. Ouais, ils sont bien camouflés. En tout cas, c'est neuf. Noir l'intérieur. Mais ceci est un petit bolide électrique, les amis. Mais vous voyez vraiment que Black Cyborg n'a que ça à faire de s'acheter une Toyota. Attention, rétroviseur. C'est rétroviseur, je pense pas que tu as le droit de toucher au rétro. Parce que sinon, il t'aura laissé. Bon, la face avant maintenant. Ça va pour la face avant. On dirait un mélange d'une Toyota de la dernière Toyota Auris à une Toyota Yaris. Auris. Ouais, il y a Auris, Yaris, monsieur sur. Ah ok, ok. Et là, comme vous pouvez le constater, Black Cyborg est plus malin que. Tu vois mon ami. Et pourquoi il y a GTA? Comment ça, où est GTA? Là, GTA Mo. Groupe GTA. Alors là, je sais pas vraiment ce que ça signifie. Pas faire ça, ce serait. Ouais, vous me demandez pourquoi à chaque fois dans cette histoire. Non, on s'est mis en mode espion agent de la CIA. Ouais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir dans son intégralité. Parce que je sais pas si on a le droit. Black, sinon on a qu'à. Au pire, Black, si tu veux faire des présentations, on n'a qu'à aller dans le magasin de Renault. Mais on peut pas, je pense pas. On pourra pas dans le truc de Renault? Mais ce serait un petit peu trop indiscret. Mais il y en a plein de Renault, ça serait bien. Bon. Regardez. Ben, je vous montre le livre. Tout ce qu'on peut voir, tous les nouveaux véhicules qui seront sortis. Oh mais regarde ce Toyota Hilux, c'est quatre portes, bien bizarre. Voici le véhicule qu'on vient tout juste voir, ceci voilà. Est un véhicule bonnement bien réussi. L'écran tactile, comme on dit, est vraiment super. Heureux hein.
La cloque elle marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe toi aussi? Juste un micro, mais